soleil, c'est donc vrai? Elle est revenue? Merveilleux! La sauveuse de Méridian est de retour. T'as mérité cet accueil. Tu les as sauvés. Pas encore. Au nom du roi Soleil, Avad, un accueil royal pour la championne. Faites place. Marad, Aloy doit vous parler de toute urgence. Ah oui? Eh bien, nous sommes deux. J'ai envoyé des chasseurs à ta recherche, de Brunante jusqu'aux terres sacrées, mais sans succès. Il s'est passé quelque chose à la flèche. Bien. Je vais te montrer. Fais attention. Tu nous as sauvés, bien sûr, mais on n'est pas au bout de nos peines. Ça s'est passé juste après le solstice. Nous avons pu offrir une explication grâce au soleil. Sans ça, c'était la panique assurée. Une nuit, pendant peut-être une poignée de secondes, elle s'est illuminée en rouge. De Méridien, on aurait dit un effet de lumière. Mais ceux qui étaient proches, au sommet du bûcher, disent que ce n'était pas un reflet. À mon grand désarroi, la lumière serait montée de la base de la tour. De ça. Nous avons tout laissé en l'état. Tu penses qu'il s'est passé quoi? Je sais pas. La flèche est censée envoyer des signaux, des messages, pour la terraformation. Miades a tenté de s'en servir pour éveiller des machines de guerre. J'étais sûre d'avoir coupé la connexion. Reste ici, je vais voir. Dis-nous ce que tu trouves. J'ai un mauvais pressentiment. Je sais pas. J'ai jamais pu la retirer. Un signal a été transmis du haut de la flèche. Je vais devoir trouver un moyen de monter. Je me souviens d'elle. Je devrais pouvoir escalader l'échafaudage à la base de la flèche. Peut-être sauter sur ce rebord derrière moi. Je devrais pouvoir sauter et attraper les cordes derrière moi. Yeah.
Je crois que je peux tirer cette grue vers moi. Mon attracteur ne peut pas l'atteindre. Il faut que je me rapproche. Et voilà. Alors, comment faire pour atteindre la flèche de là ? Je devrais pouvoir monter maintenant. Je croyais que Silence voulait m'aider en me donnant sa lance. Mais on dirait qu'il m'a trahi. Elle a transmis quelque chose via la flèche. Il a sauvé Hadès. Mais pour quelle raison? Si je trouve où il a envoyé les données, je pourrai le retrouver. J'espère que le nœud de transmission en sommet me le dira. On dirait que c'est entrouvert. Je peux peut-être grimper par l'intérieur. Un ascenseur ? Voyons ça. Accès à l'ascenseur activé. On a de la chance. Lancement de la configuration de maintenance. La flèche est en train de s'ouvrir. Je me demande ce que les Karja vont dire. Je vois que tu as fini par comprendre. Honnêtement, je m'étonne qu'il t'ait fallu autant de temps pour découvrir ma ruse. Tu as modifié la lance pour voler Hadès ? Comment as-tu pu être aussi inconscient ? Inconscient ? C'est toi qui as essayé d'effacer Hadès avant que ces informations ne soient... extraites. Comme le mystérieux signal qu'il a réveillé, par exemple. Comme le lieu où se trouvent les sauvegardes de Gaïa que tu as tellement mal à trouver. Je le savais, pourquoi ne pas me l'avoir dit ? J'ai eu quelques soucis de mon côté au cours des 6 derniers mois, Aloy. La différence, c'est que j'ai avancé. Alors une fois que tu auras admis que ma trahison était nécessaire, pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans l'Ouest Prohibé pour savoir tout ce que j'y ai découvert ? N'ai aucun doute, je te trouverai. Oui. Eh bien, ce sera facile avec les coordonnées. Même pour toi. Mieux de dire à Varl et à Marad ce que j'ai trouvé. Comment ? Aloy a toujours eu un don pour réussir la... Quand tu es entré, elle s'est transformée comme le jour de la bataille. Je me félicite que le temps soit à l'orage. Peu auront vu la tour changer depuis Méridion. Qu'as-tu découvert ? Hadès. Le danger n'a pas disparu.
Il est parti vers l'ouest prohibé. Et je dois le suivre. Je vois. Ça va être difficile. Ce n'est pas pour rien que l'ouest est prohibé. De redoutables guerriers en contrôlent la majeure partie. Les Ténac. Ils ne laissent personne passer la frontière. Cela dit, sous le roi Soleil Avad, une paix fragile a été négociée. D'ailleurs, la prochaine ambassade se déroulera dans un jour ou deux, près de notre frontière. Si vous assistiez à l'assemblée sous son égide, les Ténac pourraient te donner un droit de passage. Au lieu de te chasser et de t'attaquer à vue. Pile ce qu'il me fallait. D'autres tueurs. Oh. Le roi Soleil. Aloy, content de te revoir. Tu es parti si vite, nous n'avons pas eu l'occasion de te remercier. On peut montrer la lance à la championne. Allez. Il t'amène. Silence. Nous avons des présents. L'étiquette exigerait une cérémonie d'offrande au palais. Mais je crois que tu apprécieras moins de formalités. Apportez-les. Avad, c'est vraiment très gentil, mais je... Utide. Vanasha. Vite, il faut lui donner avant qu'elle ne s'enfuie encore. Vraiment ? T'étais obligé ? Et c'est le... C'est super. Au nom de tous les citoyens de l'Hélium, que ces présents te rappellent notre immense gratitude. Tu veux peut-être passer du temps avec tes amis. Viens me voir quand tu seras prête à partir. Je dois fixer le système de sécurité sur ma nouvelle lance. Je devrais pouvoir trouver un établi par ici. Là, un établi. Bon, le système de sécurité est installé. Et il y a autre chose. Pour stocker et libérer de l'énergie. Un résonateur. Ça devrait m'être utile au combat. Avec tes amis, ou te faut-il plus de temps? Je ferai mieux d'y aller. Et si je pars vers l'ouest, je vais avoir besoin d'un droit de passage des Ténac, comme tu l'as dit. Où va se dérouler cette ambassade, exactement? Au-delà des Couards, le canyon qui marque la frontière ouest de l'Hélium. Tu trouveras la forteresse de Cagnard à son extrémité. L'ambassade aura lieu juste derrière ces portes. C'est une longue marche, 2 semaines à pied. On peut y être en 2 jours sur des montures. Finalement, on devrait se reposer ici ce soir. Et partir à l'aube. Bien sûr. Je m'en occupe.
this crown of ash and salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter, no matter what I try. J'avais jamais vu quelqu'un se déplacer sur des machines. C'est ce truc qui va à Cagnard ? Oui, enfin, d'habitude. Mais pas aujourd'hui, pas encore. Et pourquoi ça ? Eh bien, les Quarts. La vallée entière. Elle est infestée de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais... qui va la remonter ensuite ? Bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Le travail a été officiel.